Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est parti pour une séance de pilates ballon. Allez, on démarre cette séance tranquillement. À démarrer l'échauffement debout. Allez. Ici, ramenez les pieds parallèles dans l'axe des hanches. Étirez bien le dos, relâchez vos épaules. Inspirez et soufflez, engagez la sangle. On maintient. Inspirez, levez les bras. Soufflez, torsion à droite. On ramène le bras gauche devant, bras droit derrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, les faces. Soufflez, torsion à gauche. Bras droit devant, bras gauche derrière. Inspire, on vient face. Encore une fois, on souffle. Tension à droite. Inspire, on lève les bras, on revient face. On souffle. Tension à gauche. Inspire, on lève les bras, on revient face. Et on relâche doucement. Inspirez, levez la tête. Soufflez, enroulez la nuque et toute la partie dorsale. Ici, on engage la sangle. On ramène le poids du corps sur l'avant des pieds. Les jambes peuvent rester tendues, si ça tient trop, vous pliez. Relâchez bien tout le haut du corps. Inspirez, soufflez, remontez tout doucement à la verticale. Vertèbre par vertèbre. Encore une fois, on inspire, on lève la tête. On souffle, on enroule doucement la nuque. Tout le dos. On rentre le ventre. Doucement ici, on relâche le haut du corps, le menton vers la gorge. Inspirez, soufflez, redressez tout doucement la posture. Vertèbre par vertèbre. Et la nuque en dernier. Parfait. Ici, on inspire, on lève le bras droit. On souffle, flexion à gauche. J'inspire, je redresse. Je souffle, je relâche. Change de côté. Inspirez, levez le bras. Gauche, soufflez, flexion. Inspirez, redressez. Soufflez, relâchez. Bien. Enroulez vos épaules. Petit cercle avec les épaules. Et on change de sens. Parfait. On remet les bras devant, paume de main face à face. Écartement en V. On inspire, on souffle, on twist, sans changer l'écartement entre les bras, le bassin reste face. Inspirez, soufflez, revenez. Même chose à gauche, inspirez, soufflez, twistez. Inspirez, soufflez, revenez. Inspirez, soufflez, twistez à droite, gardez bien le bassin face à moi. Inspirez, soufflez, revenez. Gardez la sangle engagée. Inspirez, soufflez, twistez. Inspirez, soufflez, revenez. Parfait, on relâche doucement. Ici, on va juste venir attraper le genou droit. On étire un petit peu le fessier. En même temps, on travaille l'équilibre. On relâche doucement et on change de jambe. Parfait, relâchez. Ici, on va continuer, on va prendre le ballon. Venez vous installer sur votre ballon. Assis ici, on ramène les deux jambes parallèles, les pieds dans l'axe des hanches. Étirez le dos. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre, bascule du bassin. Inspire, on redresse. Encore, on souffle, on rentre le ventre, bascule du bassin. Garde les pieds immobiles. Inspire, redresse. Deux. Soufflez, rentrez le ventre, bascule du bassin. Inspire, redresse. Et dernier.
ballon, peut-être le haut du dos. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement, vous arrêtez, ok? Sinon, c'est ce petit mouvement-là, on le connaît déjà, donc n'hésitez pas. Ici, j'inspire, j'étire le dos, je garde la sangle rouillée, je souffle, bascule du bassin. Ensuite, tranquillement ici, on va marcher et on va ramener milieu, haut du dos, ce ballon. Ensuite ici, les hanches vers le ciel. La nuque n'est pas posée sur le ballon. J'inspire, je souffle, j'ouvre les bras. J'inspire, je ramène. Soufflez, ouvrez. Inspirez, ramenez. Gardez la sangle verrouillée. Encore deux. Soufflez, ouvrez. Soulevez vos hanches. Inspire, ramène. Dernier, soufflez, ouvrez. Inspire, ramène. Et doucement, ici, je redresse la posture. Je viens m'asseoir sur le ballon tranquillement. Parfait. Je vais me mettre face à vous. Bien. Faites attention, hein, si votre tapis glisse, enlevez-le. Hein. Ici, on prend le temps de s'installer. Toujours, hein, on garde cette longueur dans le dos. On relâche les épaules, la sangle engagée. Doucement, on va décoller la jambe gauche. Ensuite ici, si ça va pour vous, on lève les bras vers le ciel. On reste. Ok, doucement, je souffle, je ramène bras le long du corps. J'inspire, je ramène les bras vers le ciel. Je souffle, je ramène main sur le ballon. Encore deux comme ça. Inspirez. Soufflez. Inspirez, levez les bras. Soufflez, ramenez. Parfait, on relâche doucement ici. On garde toujours cette longueur dans le dos. Petit cercle avec le bassin. Vous pouvez exagérer le mouvement tant que votre sangle reste tonique et que le dos reste allongé, étiré. Sens, petit cercle ici, vous gérez l'amplitude. Parfait, on revient, on replace les pieds, on tire le dos, on engage la sangle. Cette fois-ci, je ramène la jambe droite en chaise inversée, enfin, on ramène le genou vers le ciel. Deux, trois respirations, on stabilise le mouvement. Ensuite, doucement, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je souffle, je ramène. Inspirez, levez les bras, regarde loin vers l'avant. On souffle, on ramène. Encore deux comme ça, chacune à son rythme. Inspire, je lève les bras. Souffle, ramène. Inspire, lève les bras, tire le dos, souffle, ramène et on relâche. Bien, parfait. On va passer au sol. Là. On va ramener le ballon dans les mains. Les bras sont tendus. Attention à ne pas verrouiller vos coudes. Et je vais ramener ici ma jambe droite en chaise renversée. Donc j'emmène le genou dans l'axe de ma hanche. C'est bien pareil au sol. On reste ici trois respirations en statique. Regardez bien le dos dans le sol. Bas du dos plaqué au sol. Donc ne pas creuser. Une fois qu'on a fait trois respirations, on reste ici, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe droite en diagonale avant, je ramène les deux cuisses parallèles, pieds pointés. J'inspire, je ramène, puis. Ok, pour ça, on souffle, on tend la jambe. On inspire, on ramène. Tranquillement, six comme ça.
bras restent toniques, hein. Ne sont pas bruit vos coudes. Soufflez lorsque vous tendez, inspirez lorsque vous ramenez. Dernier. On ramène doucement la jambe, on relâche le pied au sol, on relâche aussi un instant le ballon sur la poitrine. Vers le ciel. On ramène la jambe gauche en chaise renversée. Pour trois respirations, je souffle, je tends ma jambe en diagonale avant. On reste. Ensuite, ici, je ramène la jambe pliée. Je tends, j'inspire, je ramène, pour 6 comme ça, soufflez, tendez, engagez les quadriceps, inspire, ramène. Relâche le ballon sur le corps. Parfait. Bien. Ici, on revient les bras tendus vers le ciel. On ramène les deux jambes en chaise renversée. Pour 6, on alterne le mouvement. D'accord ? D'abord, on reste comme ça, 3 respirations en statique. Placez bien le dos, attention à ne pas creuser. Si vous sentez que ça creuse, ramenez les genoux un peu plus vers vous. 3 respirations. Ensuite, tout doucement pour 6 au total. Je souffle, je tends ma jambe droite. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends ma jambe gauche. J'inspire, je ramène. Tranquillement, le mouvement est lent, tout doux. Profitez pour bien tendre les jambes à chaque fois. Pieds pointés. On allonge la jambe, on étire bien cette jambe à chaque fois. Verrouillez votre sangle. Et une fois qu'on a fait 6, doucement, on relâche une jambe puis l'autre et on relâche le ballon sur le ventre. Bien. Pour le prochain. On va ramener le ballon derrière. Le ballon est posé. On va faire un enroulement en partant du bas du corps. Je ramène les deux jambes en chaise renversée. J'inspire. Je souffle, je tends mes jambes, j'inspire, je souffle, je ramène mes pieds, dessus du pied, au niveau du ballon. Et doucement ici, je déroule le dos, je replace mon dos au sol, je retiens la descente et je ramène les jambes tendues ici. On replie, on repart. Je souffle, je tends, j'inspire, je souffle, j'enroule. J'inspire tranquillement et doucement, on dépose le dos vers tête, barre vers tête. Ok, tout le monde, on est parti pour 6. Je vous laisse faire chacun à votre rythme avec la respiration. Si jamais vous manquez de souplesse dans le dos, que ça ne veut pas, que votre ballon il est trop petit, que vous avez un ballon de handball, eh bien arrêtez. Ce qui est important ici, c'est de bien enrouler le dos doucement. On déroule le dos doucement. On
ramène les jambes tendues pour travailler cette sangle. Si vous ramenez les jambes vers le plafond, vers le ciel, c'est pas grave, hein. Continuez quand même l'exercice. Sympa. Là, on travaille tout le corps, la sangle. On va aller chercher la flexibilité dans le dos. Au sol et on prend son temps. Et une fois qu'on a fait 6, on relâche un instant. Vous ramenez les genoux pieds sur la poitrine, vous relâchez un petit peu le bas du dos. Vous pouvez faire des petits mouvements à gauche, à droite. Le ballon ici, les deux jambes en chaise renversée, on pose le ballon au-dessus du genou. Hein. Ensuite ici, je vais inspirer, je vais étirer une jambe, bras opposés, je souffle, je ramène. Et pour ça, j'inspire, étire bras, jambes opposées, je souffle, je ramène. On en fait 10 au total, 5 sur chaque côté. Ici, prenez votre temps aussi pour étirer le corps. Tranquillement. Gardez toujours cette sangle verrouillée. Attention à ne pas creuser dans le dos. Si vous sentez que ça creuse, vous descendez les bras, les jambes un peu moins bas. Ok? Si vous sentez que ça tire dans le dos, ça veut dire que la sangle pas bien maintenu et c'est le dos qui travaille. Gardez bien l'allongement dans tout le corps. Donc on a fait 10, comme ça on relâche doucement. Bien. J'espère que ça commence à travailler un petit peu au niveau de la sangle, que vous avez quelques sensations. Sinon, si vous sentez que au bout de 10, vous sentez rien, continuez. Hein? Allez-y. Donc ici, on ramène les deux jambes en chaise inversée, pieds à plat posés sur le ballon. On place bien le dos, bras vers le ciel. J'inspire, je souffle, j'amène les bras derrière à hauteur de mes joues et je replace. Ok? J'inspire, j'engage ma sangle, je souffle, j'amène les bras à hauteur de mes joues. J'inspire, je ramène. On en fait 6 comme ça. Soufflez, ramenez les bras derrière. Inspire, replace. Gardez toujours le dos dans le sol, attention à ne pas creuser. Juste ici, travaille des bras, le reste du corps ne bouge pas. Parfait, une fois qu'on a fait 6, on relâche un instant les bras. Pour les 6 prochains, on va rajouter toujours le travail des bras et on va rajouter étirement aussi des deux jambes. Ok? En faisant rouler votre ballon. Je reviens les bras vers le ciel, comme de main face à face. J'inspire, j'engage la sangle.
Je souffle, je tends les deux jambes, les bras vers l'arrière, au dos des genoux. Je replace sur l'inspiration. On repart pour 6 comme ça. Soufflez, bras étirés derrière la tête, les jambes vers l'avant. J'inspire, je ramène. Exactement la même chose, buste décollé, d'accord? Donc la tête, elle ne bouge plus. On est ici. Les deux jambes en chaise renversée, pied à plat sur le ballon. Je ramène cette fois-ci. J'engage la sangle, j'enroule, je ramène cette fois-ci les mains à hauteur des mollets, extérieur, d'accord? J'inspire, j'engage, je souffle. Tends jambes et bras, toujours les bras à hauteur des genoux. Je replace sur l'inspire pour 6. Soufflez, tendez. Bras et jambes. Inspire, amen. Encore 3. À partir de maintenant. Allez. Soufflez, tendez. Inspire, amen. 2. Soufflez, tendez. Inspire, amen. La tête ne bouge pas. Hein. Dernier. Et ensuite, doucement, je relâche. Bien. Parfait. Allez. Pour le prochain, quelques-uns sans ballon et puis ensuite on rajoute le ballon. Ici on va ramener les jambes vers le ciel. On va soulever un petit peu les fesses, j'engage la cintre ici. Et doucement on va twister à gauche, à droite. On ramène les hanches vers les coudes. Ok? Ici on twist. Comme si on voulait essuyer le bas du dos sur le tapis. Ok pour ça? Bien. On va rajouter le ballon. Donc on va venir faire la même chose, une petite dizaine ici. On rajoute le ballon coincé entre les mollets. Je soulève légèrement les fesses, j'engage la sangle. Gardez toujours votre sangle bien engagée et on twist tranquillement. Donc vraiment, c'est les hanches qui vont chercher les coudes. Ok? Je balance pas les jambes ici sur le côté, hein. Je décolle les fesses et hop, on twist. Wouh, fais du bien celui-là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Une fois qu'on a fait à peu près une dizaine, on relâche. Oh, bien. On enchaîne. Ballon dans les pieds. Je ramène dans les mains. Je lance le ballon, j'attrape entre les pieds. Main. Ok, pareil, 10 comme ça. Là, vous allez sentir l'intérieur des jambes. Allez, on relâche. On récupère un instant. Bien. Ici, on revient le ballon sous les pieds. On est en sol.
J'inspire, je souffle, j'enroule. On reste ici en statique, 3 respirations. Mains au sol, on relâche bien les épaules. Regard en diagonale avant. Si vous avez mal à un moment donné dans la nuque, vous pouvez ramener les mains à hauteur du cou, un coude ouvert. Pour soulager un petit peu. Une fois qu'on a fait 3 respirs, on relâche. Ok. Est-ce que ça va? Oui? Allez, on repart ici, ballon entre les pieds et on va coincer et on va retwister. Oui, mesdames, je sais, vous aimez ça. Pareil, on fait une petite dizaine et puis ensuite on enchaîne aussi ce mouvement où on lance le ballon avec les mains rattrapées. Ici, je soulève les fesses et c'est parti, on twist. Voilà. On a fait 10, on enchaîne, hop, là c'est bien le dos, hein. Attention, on lance, on attrape, 1, 2, 10. Ouh, parfait. Hop. On ramène le ballon sous les jambes. On récupère un instant. Bien. Pour le petit dernier, comme on a fait tout à l'heure, les deux pieds à plat sur le ballon. Main au sol. J'inspire. Et je souffle, j'enroule. Et on reste ici 3 respirations. Shoulder bridge. On a les pieds sur le ballon, ici. On va commencer par le placer. On va ramener le talon posé sur le ballon. J'inspire, j'engage la sangle, je souffle doucement, je tends mes jambes, je monte en haut. Ok pour ça? J'inspire sur la pose, je souffle, je ramène doucement le dos au sol. On en fait 4 comme ça. On souffle doucement, on monte en pont, tranquillement, vertèbre par vertèbre. On essaie de faire une ligne entre talon, hanche, épaule. Les bras restent au sol, mais vous êtes léger hein, sur les bras. Et doucement, je reviens. Encore 2. Inspire, engage la sangle. Souffle, on tend les jambes, on monte en pont. Quand on est sur la pose ici, on inspire et on souffle et doucement on dépose le dos vertèbre par vertèbre en ramenant les jambes. Dernier, inspire, engage la sangle, rétroversion du bassin, souffle, soulève les hanches. Inspire en haut, on contracte bien les fessiers, le corps est gainé et souffle doucement, on dépose. Bien. Allez, on relâche un petit peu. Pour les 4 prochains, on va monter en pont, jambes pliées. Donc là, on ramène. Plante de pied sur le ballon, les jambes sont en chaise renversée. Ok? J'inspire, j'engage la sangle, je souffle et doucement j'appuie dans le ballon. Je monte en pont. Ici, j'inspire en haut et doucement, je dépose le dos vertèbre par vertèbre. Ok? Là, on est vraiment sur le travail de la chaîne postérieure, des mollets, l'arrière des jambes, les fessiers, le dos.
Hop, on aime bien cet exercice. Les filles, elles adorent cet exercice parce qu'on est vraiment ici sur l'arrondi des fessiers. Et doucement, on dépose. Bien, encore deux comme ça. Chacune à son rythme. Ici, on respecte bien le protocole. J'inspire, j'engage la sangle. Je souffle doucement, j'appuie dans le ballon. Je soulève les fesses. Je vais là où mon corps me permet. J'inspire et je souffle doucement. Je dépose vertèbre par vertèbre. Ok? Allez, dernier. Si vous avez des sensations de crampes, c'est normal. Profitez de ce petit moment de bonheur. Inspire et souffle. On dépose doucement. On retient la descente. Ouais. Ouh, ça crampe aussi. C'est bien, on adore. Parfait. Allez, pour le prochain, j'ai tendance à enchaîner, hein, quand on est en salle. Je prends un peu plus de temps, on attend que tout le monde ait fini de faire l'exercice avant d'enchaîner le prochain. Là, c'est vrai que j'ai tendance à aller un petit peu plus vite, donc vous n'hésitez pas à faire des pauses. Bien. Ici, le ballon coincé entre les jambes. On garde cette longueur dans le dos. Les bras sont tendus devant. Roll-up. J'inspire, j'étire le dos. Je rentre, je souffle, je rentre le ventre. Et doucement ici, je dépose le dos au sol, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je ramène les bras derrière. Je souffle. Doucement, je redresse. Vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes pour vous aider. Ok? Si vraiment le ballon est trop gros, qu'il s'échappe, eh bien, mettez-le de côté, tant pis. Et on continue l'exercice. J'inspire, je souffle doucement, je dépose le dos au sol, je maîtrise ma descente. J'inspire, j'amène les bras derrière, à hauteur des joues. Et je souffle doucement, je redresse mon corps. Dernier, inspirez, soufflez doucement, on dépose le dos, on retient la descente, j'inspire et tiens les bras, je souffle doucement, je remonte. Parfait. Jambes tendues, pieds pointés, ballon sur le tibia. Bras tendus aussi, attention de ne pas verrouiller vos coudes. Hein. Inspirez, étirez le dos, soufflez, rentrez le ventre. Doucement, je fais rouler le ballon sur le corps. Je pose le dos au sol. Le ballon reste devant moi. J'inspire, je souffle et doucement, on revient s'asseoir. Encore deux comme ça. Inspirez, soufflez, déposez le dos. Inspire en bas, on souffle, doucement, on redresse. Dernier, inspire, souffle. Inspire en bas, et souffle, reviens t'asseoir. Parfait. Dernier, on fait une complète en gardant les jambes tendues et on ramène le ballon derrière sans toucher le sol. Allez, ici, jambes tendues, pieds pointés, toujours écartement pilate. J'inspire, j'étire mon dos. Je souffle et doucement je rentre le ventre, j'engage ma sangle et je dépose le dos tout doucement vertèbre par vertèbre. J'inspire, j'étire les bras derrière. Je souffle, je ramène vers l'avant et le corps suit le mouvement. Hop, inspire, tire le dos, souffle doucement, on dépose le dos. J'inspire, j'emmène les bras devant, derrière, pardon. Je souffle, j'emmène les bras devant et je redresse. Dernier, je laisse faire. Calmez la respiration.
va travailler un petit peu les obliques. On va en faire 5 ou 6 sur chaque côté. Donc ici, on va ramener le ballon sur le côté. Hop. Contre le corps. Et on va venir s'allonger sur ce ballon. Ensuite ici, on va venir étirer la jambe posée. On va ramener les orteils en direction du genou au sol. Main derrière la tête. Donc ici, on les pousse bien. On ramène bien le côté du corps sur le ballon. J'inspire, j'engage la sangle, je souffle. Hop, on décolle. Ok pour ça? J'inspire, je dépose. Je souffle. Hop, et on contracte bien la sangle. On va venir chercher travail des obliques sur le côté. Hop. Si vous sentez que le ballon il glisse, n'hésitez pas à le replacer avant de continuer votre mouvement. Ok? 5 ou 6 comme ça, tranquillement. Ouvrez bien le cœur. Pendant le mouvement, inspire, repose. Ok, donc on a fait 5 ou 6 comme ça, on change de côté. Hop, on ramène le ballon sur le côté, on vient s'allonger sur le ballon, on épouse bien son ballon, on ramène l'orteil vers le genou. Même chose ici, j'inspire, j'ouvre le cœur. Je souffle, hop, on enroule. Prenez votre temps. Chacune à son rythme. Attention, hein, si votre ballon il n'est pas bien gonflé, ça va être compliqué peut-être hein, pour vous de le faire. Vous devez sentir le travail ici sur le côté. Hop, une fois qu'on a fait 5 ou 6, on relâche. Est-ce que ça va ça? Allez, une dernière fois, pareil pour 5 ou 6. L'autre côté. Tire la jambe. On ramène les mains derrière la nuque. On engage la sangle, on ouvre le cœur. Donc on est vraiment dans l'axe. Et hop, on décolle. Ici. J'inspire, je dépose. Je souffle, j'enroule. Pareil, 5 ou 6 mouvements comme ça. Ça va mon chéri? T'as récupéré ton brevet? Bon, tu l'as eu? Intérêt. Hein. Oui. Voyons. Bien. Mon fils qui a eu son brevet. Champomy ce soir. Champomy. Tiens mon chéri. Donc on a fait 5 ou 6. Les filles, on change de côté. Hop. Bien. Même chose, 5 ou 6, j'inspire, j'engage, je souffle, j'enroule. Il est bien aussi cet exercice, je l'adore. Bien travailler la taille. Maintenant, on va aller travailler un petit peu le dos, d'accord?
Et puis ensuite, on finira un petit peu sur les obliques. Bien. Cette fois-ci, ici. À genoux devant le ballon. Et là, hop, on va venir placer le ventre sur le ballon. Attention, ne gardez pas les fesses vers l'arrière. Hein, vous ramenez le bassin dense. Bien. Ici, je vais tendre les bras vers le ciel, ok? Dans l'allongement du corps, j'inspire. Souffle, cercle les bras. Inspire, remonte. Ok pour ça? Souffle, cercle les bras. Inspire, remonte. On en fait 10 comme ça. Je vais décaler juste un peu mon ballon parce que je n'arrive pas à bien étirer mon bras gauche. Continue pour 10. Inspire. On lève les bras, on étire. Et on souffle. Cercle. Sentez bien. Travaille dans le dos, les épaules, les omoplates. Engagez la sangle. Si vous glissez, vous projetez vos pieds. Ici le travail. Si vous posez la main au niveau des dorsaux, vous sentez tous les muscles qui travaillent. L'exercice qui est sympa aussi. On pourrait dire on aime tout, hein, c'est vrai les filles. Hein. Presque tout. Hop, une fois qu'on a fait une petite dizaine ici, vous venez vous enrouler sur votre ballon, vous relâchez bien tout le haut du dos. On récupère tranquillement. Bien, ici on va rester. Cette fois-ci, jambes tendues. On croche tous les pieds au sol, les jambes légèrement écartées. Et une bonne accroche au sol. Hein. Ici, je vais relâcher ma nuque. Je vais ramener les bras le long du corps, paume de main vers les cuisses. J'inspire et doucement, je soulève le corps. Je viens chercher le travail dans le haut du dos, pincer les omoplates. Ensuite, doucement, lorsque vous relâchez, vous tenez la nuque. Vous ne relâchez pas complètement. Ok, on part pour 5 ou 6 comme ça. J'inspire, je souffle, j'engage doucement, je soulève le dos. On pince les omoplates, on étire la colonne. Et j'inspire, je relâche. Souffle. Ici, on monte. Les jambes sont actives. Et doucement, je relâche. Lorsque vous montez, soulevez bien le haut du corps, ouvrez le cœur, les bras sont toniques, les jambes sont toniques, on relâche. Inspire en haut, souffle, relâche. Permet, ne forcez pas. Ok, une fois qu'on a fait 5 ou 6, on enroule tranquillement. Bien. Allez, je ne vous ai pas oublié, dernier exercice, on va travailler un petit peu la sangle. Ici, on vient à
genoux devant le ballon. Les bras sont tendus. Le corps est gainé. Okay, je vais avancer un petit peu parce que j'ai que des vêtements sombres. Alors du coup, on voit peut-être pas bien. Les bras sont tendus. J'inspire, j'engage la sangle. Je souffle et doucement, je fais rouler mon ballon. Je viens poser mes coudes sur le ballon. Vous voyez, je ne garde pas mes fesses à l'arrière. Je descends bassin dans le sol. Et ici, je redresse. Ok ? On part pour 6 comme ça. On souffle, on fait rouler le ballon doucement. Je viens en appui coude. J'inspire, je souffle, je redresse. Engagez la sangle quand vous redressez. Attention à ne pas creuser le dos. Et vous partez là où votre corps vous permet. Ok ? Partez pas trop loin pour le premier. Vous gérez au fur et à mesure. Alors, j'avais dit 5 ou 6, hein, vous voyez. Hop, planche. Et je reviens. Gardez toujours la sangle de lui. Attention à ne pas tirer dans le dos. Si vous sentez que c'est le dos qui travaille, vous arrêtez. J'inspire. Je souffle. Hop. Appuie coude. Inspire. Souffle, redresse. Encore. Bien. 5 ou 6 comme ça. Ok. Et pour le dernier, on va rester 3 respirations en statique. Même chose. Je fais rouler mon ballon, tac, tac, tac. Je viens appuyer coude et je reste 3 respirations en statique. Engagez la sangle. Attention les fesses, ok? Ramenez le bassin vers le sol. Gainez le corps. Et une fois qu'on a fait 3 respirations, bien, on relâche. Ouh, super, on a bien travaillé hein, ce matin. On laisse le ballon. On relâche la sangle. On va s'étirer un petit peu. Hop. Allez. Venez vous asseoir. Vous ramenez une jambe tendue. On va dire jambe droite tendue pour vous. La jambe gauche ici est pliée pour ramener le talon vers le pubis. Essayez de bien vous installer. Ensuite, tranquillement ici, on va plonger. On va venir poser le coude sur le genou. Vous pouvez attraper le pied si vous avez le bras. Et ici, tranquillement, on va venir chercher une flexion sur le côté. Attention, sur cet exercice, ramenez pas l'épaule vers l'avant. Hein. Gardez l'ouverture ici du cœur. Sentez l'étirement sur tout le côté. On relâche les muscles du visage. Et ensuite, doucement, ici, on redresse. Bien, on va venir faire une torsion à l'opposé, à gauche. Gardez toujours cette longueur dans le dos. Torsion. N'hésitez pas à vous aider de cette main pour aller chercher dans la torsion.
redresse doucement. On change le croisement des jambes. Hop. Même chose ici. Inspirez les bras. Soufflez. Plongez en avant. Sans forcer. Et on redresse doucement. Torsion. Hop. La poitrine vers les cuisses, un peu d'étirement derrière les jambes aussi. Ensuite, on relâche complètement. Et redresser tout doucement la tête. Bien. J'espère que ça a été. Cette petite séance de pilates ballon. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour les prochains cours. Bisous à tous!